Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle de ce mercredi 20 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, la pensée positive, soigner son corps. Il faut soigner et entretenir son corps, il est un instrument essentiel de l'existence. L'état du corps en dit beaucoup sur l'état de l'esprit. Il est évident que si on n'est pas bien psychologiquement, ça va se répercuter sur notre corps physique. Donc, à méditer et à penser que, voilà, quand ça ne va pas psychologiquement, on risque d'avoir des bobos, sur notre corps physique. Aujourd'hui, j'ai pigé karma. Alors oui, nous avons toutes et tous un karma, n'est-ce pas? Et ce karma, il vient nous dire « Je suis capable de comprendre mes relations karmiques. Je suis un point central, rédempteur pour tous ceux dont le karma est relié au mien. » C'est grâce et bien à cette belle fleur du karma que la possibilité d'une compréhension karmique aujourd'hui t'est offerte. Et ce cadeau t'est proposé aujourd'hui, car tu as déjà accompli tellement de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives sur le chemin de ta vie. Tu tiens les clés de la compréhension entre tes mains. Si tu es capable, n'est-ce pas, de saisir pourquoi ta vie ainsi que tous ceux qui y jouent un rôle sont tels qu'ils sont. Cette clé est adaptée à ton petit cœur. Elle ouvre pour la compassion et l'amour de toi-même, de ton karma et du karma de tes coéquipiers, n'est-ce pas? Nous vivons un moment béni. Lorsque tu seras suffisamment imprégné de la conscience et de la connaissance, eh bien tu pourras obtenir une absolution karmique de la part de tes gardiens et pas que de tes gardiennes du karma. Celle-ci, eh bien, te libère de toutes les exigences karmiques et c'est ainsi que tu seras capable de réordonnancer ton avenir. Tu pourras alors, dès lors, vivre totalement libéré de toute obsession ou encore d'un quelconque enchevêtrement. C'est le moment de marquer un temps d'arrêt aujourd'hui, présentement, celui d'une célébration joyeuse. Eh bien, grâce à cette carte, la bénédiction du ciel, elle se présente dans ta vie et elle va contribuer à modifier ainsi ton existence de la manière, eh bien, la plus positive que tu puisses imaginer. En fait, n'est-ce pas, il va y avoir un nouveau chapitre qui va s'écrire dans le projet de ta vie. Et c'est un chapitre empli de liberté et de perfection. Car ce que tu as vécu jusque maintenant, eh bien, va relayer à ce que tu vives quelque chose de libéré et de sain, de ce que tu as vécu.
Alors le défi. C'est une époque de libération. Et cette époque de libération, elle est accompagnée de miracles qui vont se présenter maintenant à toi. Et quelle que soit l'épreuve que tu as vécue, qui t'a torturé, eh bien, aujourd'hui, dis-toi que le pire est derrière toi. Oui, le pire est derrière toi. Tu as fait tellement de choses pour en arriver là. Tu as accompli tant et tant et tant d'efforts pour ton développement et bien que les gardiens du karma t'offrent aujourd'hui leur pouvoir libérateur. Et en fait, tout ce que tu dois faire aujourd'hui est de lâcher le passé tout en te pardonnant et en pardonnant également à tous les participants au jeu de ta vie. Les participants, ce sont les personnes qui ont été dans ta vie jusque maintenant. Il faut pardonner et te pardonner. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit? C'est vraiment faire un lâcher-prise sur ce que tu as vécu. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est passé. Et tu as tellement fait ce beau travail pour t'en sortir de tout ce que tu as vécu. L'énergie de la fleur de vie, eh bien, elle te soutient. Elle te soutient lors de ce processus de lâcher prise. Vraiment, il faut que tu fasses lâcher prise et te réjouir d'une nouvelle réorientation de ta vie. Quelle belle guidance, n'est-ce pas? Quel beau travail, quelle belle guidance pour aujourd'hui qui est intemporelle. Hein, ça parlera à certains et ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous. Et lorsqu'on parle de vibration, eh bien, j'ai pigé pour le message de ton âme, vibrer. Eh bien oui, vibrer. Laisse-toi aller, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre et sens ta connexion intense au ciel. Laisse, eh bien, la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Laisse-toi porter. Vibrer à l'unisson. Quel beau message de ton âme. Encore, allez, de beaux messages pour aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas les petits pouces, ça permet à l'algorithme de YouTube de mettre ma chaîne, de faire connaître ma chaîne, de mettre ma chaîne en avant pour la faire connaître. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.